Salut, c'est Fit pour Factor News. Aujourd'hui, dans Tu connais, on va regarder Geeksos. Geeksos, je me dis que ça se prononce comme ça. Alors. Aujourd'hui, dans Tu connais, on va regarder Geeksos. Alors, mais putain, c'est sans ça. Ça marche pas. Ok. C'est en early access. J'ai fait juste l'intro. D'ailleurs, je vais la refaire comme ça. Donc on est au début. On démarre dans notre appart. Alors, on vient de se faire virer de notre boîte, studio de jeu. Oh non, une explosion. Est-ce que c'est pas trop fort cette histoire? Là, voilà. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Donc c'est vu du dessus. Apparemment. Une grosse composante de furtivité, c'est un peu le principe du jeu. Donc mon appartement a cramé. Et là, on essaie de se barrer discrètement. Là, plein de flics. Au secours, il y a du feu. Ah, apparemment. Il y a Anguille sous roche, sacré entourloupe. Donc là, il y a un peu de texte. Alors, bon, on va, je vais zapper un petit peu ce dialogue. Là, j'ai déjà lu, mais en gros, on se réveille. Quelqu'un a oublié de me mettre la deuxième dose d'anesthésiant. C'est fait par une équipe russe. Donc la traduction est pas top, top, top. Enfin, c'est pas dramatique. Armes, je vais utiliser ce truc là pour l'instant. Hein. Voilà. Espèce de truc poison. Hein. Ça marche très bien. Ça. Voilà. Donc là, j'ai 2 balles. Si je veux recharger, ça m'utilise cette boîte de munitions là. Hop. La moitié pour charger mes 2 munitions. Ça, ça me donne cette monnaie là-haut. Mon autre pistolet, ça y a 15 balles dedans. Donc, c'est la même chose, si je recharge, ça m'utilise. Voilà. Donc, ça, c'est une espèce de truc de soin que je peux ramasser. Charge, ça m'utilise. Voilà, comme ça je peux ramasser l'autre. Alors j'ai probablement pas besoin de dégommer tout le monde. Mais c'est pour le principe. Et là il y a une grenade que je peux ramasser. Enfin, quand je ramasse, en fait je la choisis à la place de quelque chose d'autre. Je peux pas annuler. C'est le problème d'y pour l'instant, mais c'est pas très grave. On va laisser la grenade, on va garder les munitions et le truc de soin. Ah, je peux pas sortir par là. Donc, je peux courir, mais si je cours, je fais plus de bruit. On s'en fout, on s'enfuit. Ok. Donc, il y avait un problème de script là où j'étais à la fois mort, mais. Donc apparemment on m'a injecté un truc pendant que j'étais inconscient. Donc là l'idée c'est de trouver une clinique pour voir bah, qu'est-ce qu'on a fait. Donc là, on est un petit peu comme dans Syndicate où je peux sortir mes flingues.
C'était une meilleure idée en fait de les cacher. Je me dis que si je traverse, je me fais écraser. Bonjour. Doctor is ready. Docteur, c'est pas un humain. Est-ce que je peux fouiller des trucs là? Non. Alors là, quand je peux utiliser quelque chose, il est surligné. Oh, ça fait plus l'impression d'être dans un garage là. J'ai un truc sur les tempes. Ah. Ok, combat robot. Ok, salut. Alors. Accelerated disengagement of a neural connection based to a non-known chemical. Oula. Ah, eh ben, sacrée histoire. Bon, c'est assez verbeux par contre. Hein. C'est bon. Ok. Replacer certains de mes membres. Qu'est-ce que tu me proposes, Tony? Ça blablate beaucoup. Je peux courir. Par contre, courir, ça fait du bruit. Alors, par contre, juste le club, c'est mignon de dire ça, mais j'ai pas une carte. Sprint, interact, fire, punch. Donc, il faut une upgrade pour puncher. Range hacking, invisibility, click on reload. Je n'ai pas de carte. Donc, les modèles sont assez sympas. Tiens, il y a même encore des voitures avec des roues. Ouais, le DA est plutôt... Ah voilà, c'est bien poussé. C'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que sans carte, c'est facile de spawner. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'explorer. Si on peut trouver des trucs ou pas. Je sais pas si c'est linéaire ou si c'est ouvert. Pour l'instant, c'est plutôt linéaire, mais c'est le début, donc ça me semble normal. Headshot, guns and ammo. Donc à mon avis... Ouais, je peux y aller après. Je peux pas aller plus loin que la mur. Ok, je peux pas aller... Oh, ok, je me fais pas écraser. Je peux pas aller plus loin que qu'ici. Bon bah du coup... Geeksos City. Moi j'étais ici, ok, je peux pas aller plus loin là. Bon, bah, ça répond à ma question.
C'est un tout petit peu ouvert. Mais vraiment pas beaucoup. Ok, bon voilà ici. J'aime pas mal le design, hein. Espèce de modélisation épurée. Hein. Alors. Je cherche old school. Old school. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des quêtes, hein, bien entendu. Des missions, Didi Gang, blablabla. Bla bla. Change my equipment. Ok, forcément, j'ai pas d'autres équipements pour l'instant. Je pense que je pourrais les revendre, ce coup. Ok, oh bah d'accord, ok, ça part direct. Donc j'ai cette super bagnole là. Ok. Bon, la musique est spéciale, c'est pas grave. Ok. Okay, on va faire le tour tranquillement. Est-ce que lui va m'attaquer ou... Ok, il m'attaque. Ouais. On va démarrer le truc. Issue hack, security panel. Ok, c'est une bonne chose à faire. Pas envie de me taper des renforts. Première chose à faire, donc ça j'imagine ça va te donner des crédits. Ah. Voilà, on empoisonne lui. Ce qui est bien, c'est que ça a l'air d'être à peu près silencieux cette histoire. Je peux hacker ça. Bim, pas de renfort de ça. On récupère des crédits. Ah putain, ils ont chacun leur panneau de renfort. Je suis pas aidé. Ouf, c'est dur. Une attaque de mêlée serait pas mal. Hein. Bon, on a un petit chapeau de Luffy, on avait un peu de magicien, il y avait le bouclier de Captain America tout à l'heure. Okay. Mais il y a un truc à chaque fois là. Une grenade. Ah non, je sais pas la grenade. Oh, quoique. Putain, ils m'ont capté direct, quoi. Merde.
Ok, ça pique cette histoire. Chut. Putain, y'a totalement des renforts. Je peux ramasser un flingue par terre avec peut-être plus de munitions que celui que j'ai. Est-ce que je peux péter cette caméra ? Pas l'impression. Ok. Il y a de l'idée, mais... difficile. On va essayer de passer par derrière. C'est pas top. Ah. Ok, il y a un truc de soin dans les toilettes. J'ai pas besoin de soin. Je sais même pas ce que je viens chercher ici. Ah, faut que j'acte des trucs encore. Juste ce qu'il fallait. Hein. Ok. Effectivement, moi je me bastonne contre tout le monde, mais je pense qu'il y a moyen d'être à peu près discret. Putain, j'ai bien envie d'hacker ce machin là. Et voilà, j'ai mes munitions. Fort bien. On va partir tranquillement par là. Et puis on s'en fout, j'ai une grenade, de toute façon j'ai pas de slot. Et ah tiens, lui il a quand même du fric. Fric. Voilà. Ok, fin de la première mission. Pas trop mal. Donc de très loin, ça fait penser un peu à Neon Chrome ou Jige. Mais le rythme est bien différent. Ok, donc ça c'est le magasin de d'armes qu'on avait vu tout à l'heure. Guns and Ammo, Cyber Pussy. Ok, il y a les panneaux. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter ici? Est-ce qu'on peut se balader? Non, on peut pas se balader. Est-ce qu'on peut tester des trucs? Salut. Tu peux acheter des medkits. Putain, là, j'ai acheté une grenade, ça coûte 300. Et donc, non merci.
donc avoir plus de balles dans le machin. Ça, c'est le standard. 2 balles, 4 balles, 6 balles. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça me bouffe autant de munitions de la recharge. Ça, c'est intéressant. Oh, c'est mignon. C'est-à-dire que visuellement, on voit quelque chose qui change. C'est cool, ça. Ça augmente quoi, ça? La précision, mais je perds en dégâts? Bah bon, pourquoi? Avec le silencieux, je suis super en dégâts et je suis plus précis. Soit. C'est quoi ça? Self-related laser sight. Smart gun. D'accord, c'est de la précision et ou précision plus dégâts. Ça me change la précision. Il peut y avoir plus ou moins de balles. 15, 20, 25. Qu'est-ce qu'ils vendent alors? Lyrium Act Submachine Gun. Article Submachine Gun. On dirait la même base, c'est juste la crosse qui change là. Je me demande si je peux pas faire la même simplement en l'achetant. Celui-là il est cool. Oh, ça c'est un shotgun ça. C'est un pistolet. Mamma mia, il a l'air costaud. Ça c'est un fusil d'assaut. Pareil. Shotgun, eh ben. Pas donné tout ça, hein. Sniper rifle. C'est quoi ça? Submachine gun? Il est bien cher. Ouais, bah j'imagine que le fric il va monter un peu plus parce que là, c'est pas trop ça. Rifle. Laser rifle. Wow. Plasma. La même chose ça, hein. Vite fait. Burst, plasma, shotgun, sniper, tout ça c'est des trucs à laser ou plasma. Ça, ça a de la gueule ça. Bah, on verra plus tard. Quand on va upgrader les pions là. Ah, j'ai pas assez. Bon, on va rien faire du tout. Je peux pas vendre. Voir si je peux retourner au chez le doc et puis voir si je peux m'upgrader ou voir au moins les prix, les tarifs. Come back later. Bon bah c'est pas tout de suite. Genre pour mettre des coups de poing là, c'est pas mal parce que j'ai l'impression que de base, si j'ai pas d'armes, je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? J'ai pas accès en tout cas. Ah, il m'a donné du fric en plus. Ok. Ah, je vais upgrader mon magasin du coup. Pour mettre à fond. Parce que là du coup c'est intéressant, si avec 6 balles je peux dégommer 6 bonhommes, pour une caisse de mission je peux en dégommer 12. Voilà. Par contre j'ai pas intérêt à le dropper. En fait ce que je suis curieux de voir c'est si j'en drop un autre, est-ce que les upgrades que j'ai dessus sont gardés? Pareil pour les pistolets par exemple. Faudrait que je m'achète genre en silencieux. Je
Je vais acheter le premier silencieux là, le moins cher. De toute façon, vu les coûts, j'imagine que le fric ça ira un peu mieux après. Ça c'est un peu du caca, mais en attendant... Ah mais j'ai rien du tout pour l'instant en fait. D'accord. Ça se voit ? Ouais, ça se voit. La question, ce sera parce que j'en drop d'autres. Un peu de chance. Donc, Street Knowledge. Non, ça, c'est ce que j'ai fait déjà. Ah, oui, Story. Silencer. Shotgun lui. Ou un SMG ou un truc comme ça. Donc, il y en a un là, un dans les toilettes. Ah, je peux pas passer par derrière cette fois. Ok. Ah. Ah. Qu'est-ce que... Ah mince, parce que je courais. Ok. Le A, c'était lui. J'aime bien comme je peux rentrer pépère. Hein? Hein? Sonner l'alarme. Ouais, c'est ça, je me retrouve avec un sens silencieux. Comment je sais ça en plus? C'est fâcheux cette histoire. Mmh. Oh zut, je suis trompé de touche. Salut Nakug. Ouais, ils sont attaqués les gars, ouais, clairement. Ils sont attaqués, tiens. Bim. Voilà, ça, ça les capte sec en général. 1, 2, 3, 4, vache. Difficile, hein. 4 balles. Faut pas que je les rate, par contre. Ah bah, je suis parti juste avant la fin du hack. Non, mais je prends le fils de le SMG derrière. Allez, on va essayer de pas rater mes 4 coups là. Ok, j'ai tout raté. Punaise, eux par contre ils me ratent pas. Hein. Merde, on va peut-être se calmer, je suis dans la rue. J'ai pas le droit de courir dans la rue quoi.
you. New follower detected. On va y arriver. Putain, sérieusement quoi. Voilà. On tire tout dans le buffet là. Donc le petit flingue de base, c'est de la grosse crotte. Voilà. Je peux pas prendre à manger ou un truc comme ça. Pff. Sérieusement. Tu le vois là, le clin d'œil, wink wink. Oh, c'est pas possible. Ok, dur, dur. Bon, on va se faire. Il y en a deux qui bougent pas là au flingue. Ok, en fait, c'est, j'ai l'impression qu'en fonction de la distance, je fais plus ou moins de dégâts. Donc à bout portant là. Voilà, là ça marche bien. Fort bien, fort bien. Donc là il y a des munitions. Fuck, fuck, fuck. Ça marche pas, j'ai désactivé. Je m'embêtais alors que je pouvais passer par en bas. Flash grenade. Ah non, je veux pas de flash grenade. Ah, quoi que si, une flash grenade ça pourrait être pas mal. Stop. Pas mal. Dans le pif. Ok, ça c'est de la merde. Ok. Ok, ok. Tourelle avec moi. Fort bien, fort bien. Ouf. Ok, c'est le moment de se soigner là. Le ramasser derrière. Est-ce que l'œil va m'attaquer là? Oui. Bon, les portes qui restent ouvertes qu'une seconde là, c'est un peu lourd. Hein. Donc là, ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est que j'ai jeté mon flingue, mon petit pistolet avec le silencieux, qui est un peu tout pourri. Mais je me demande si j'aurai accès après dans l'écran d'inventaire d'équipement.
cette salle-là, elle me sert à rien. Les portes avec le bouton sur le côté, c'est quand même pas fou. Hein. Je suis pas super fan. Ok, ça c'est fait. Celle-là elle est amie normalement. Je suis pas trop sûr. Est-ce que j'ai envie de tenter? Donc là j'ai deux flingues. Alors, je suis pas sûr si ça se rechargera en fait. Je vais pas recharger. Et puis je vais voir si en quittant la mission, mes munitions vont se recharger ou pas. Je sais pas c'est quoi ça aussi, ces deux trucs. Ça c'est ma vie. Mais alors les deux trucs d'énergie, j'en ai aucune idée. Donc je laisse le flingue avec le silencieux et puis on va voir si... s'il sera dispo pour la suite. Donc j'ai vu les flingues que je peux acheter. Coûte pas mal de fric. Ah voilà, operating room. Impeccable. Je veux juste aller valider ma quête pour récupérer du fric. Merci pour les 2000. Ok. Et puis on va voir aussi ce qu'on peut upgrader sur le fusil d'assaut. Enfin le... Je sais pas si c'est un SMG ou quoi. Alors, qu'est-ce qui peut m'installer? DataJack, ça me permet de... Hack camera from a distance. Intéressant. Turn security alarm into a trap. Intéressant. Hack turret. Très intéressant tout ça, truc de hack. Pendant que je hack, DataJack perform background scan of the database copy of... Each hack bring additional credits. Plus de fric, c'est bien. Data about enemy health. Putain, c'est cool ça. Power source, extra énergie. Ah, j'imagine que l'énergie, ça sert pour certains pouvoirs. Un boost d'énergie de vitesse lorsque je hack, bof. Temporary, ouais, non, les trucs temporaires, je suis pas fan du tout quoi. Smart Gun, ah, avec Smart Link, ok, ça c'est bien, mais il faut avoir le flingue qui va avec. Alors, ça sert à quoi? Grateful, ah, you must can pay my subscription, will leave you tips if you make them excited. Putain, c'est genre, je me fais payer quand je tue des bonhommes et tout. N'importe quoi. Aiming Scanner, pas le matos, c'est un light. Oh, c'est cool ça. Ça bouge l'énergie pour être invisible. C'est très cool, mais ça coûte la peau des fesses. Donc là, on a de l'armure. Plus d'armure, plus d'armure, plus d'armure. Plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie. Corde, c'est quoi ça? Carry more stuff. Ah, d'accord, c'est pour avoir d'autres slots. C'est pas mal ça. Corde, c'est bizarre comme nom, mais... Adrénaline, c'est du... ralentir... Non, c'est... aller plus vite, et ça, c'est pour ralentir le temps. Non, increase the speed of reloading, changing... Putain, y'a plein de trucs. Combat. Ah. Melee attaque, ça m'intéresse, ça. Destroy drones. Stun train guard. Ah, regular guard. Train guard. Increased weapon accuracy. Faster movement speed. Run without sound. Putain, il y a plein de trucs cool. Donc mettre des nions, je trouve ça cool.
Avoir un peu d'inventaire en plus. Puis avoir plus de fric. Oh là là, j'ai pas assez de fric pour tout. Recoder data jack. Hein? Ah punaise, il faut faire les trucs dans l'ordre. Ok. Les prérequis, j'avais pas vu ça. Allez, donc... Ah j'imagine, voilà, je peux pas acheter direct le plus élevé, faut que je prenne dans l'ordre. Oh là là, c'est fourbissime. Voilà. Bah, du coup. Maintenant, je peux mettre des nions. Ah, mais ouais, mais j'ai un bras robot là, ça se voit et tout. Oh, sympa. Tiens, pif. C'est de l'animation, ça, hein. Ça marche sur des. J'appelle ça pas stun, moi je lui ai arraché la tête. Ok. Ok, ok. Eh ben. Je voulais tester, ça marche. J'aime bien comme il dit ça. Stun. Alors, ah non, j'ai que les deux. Les courants là. Butt Shell Shock, ça c'est quoi ça? Ah, j'ai déjà un bon là, Short Infantry Sight. J'ai ce qui se fait de quasiment de plus cher. Bah non, quand même pas. C'est la même chose, accuracy 15. C'est juste le modèle qui change. Ok. SMXL. Ok. Bon, on va toucher à rien. Je vais voir la tronche de l'inventaire parce que si je peux me trimballer qu'avec deux trucs, c'est un peu. Ah, mes flingues ont été rechargées, ça c'est la bonne nouvelle. C'est pas la peine que je gaspille. Que je gaspille mes boîtes de munitions en cours de mission, surtout si je suis à la fin. Technically stunned. Ouais. Ouais, il est suffisamment stunned pour. Ouais, t'as la chance, c'est hors de portée. Je vais voir ce que ça va faire de stunner des gardes des missions. Quoi. Donc, old job, studio R, database, serveur, ok. Alors, équipement. Non, non, je peux pas. Par contre, ça, si je mets empty. Ah, ok, donc j'ai mis empty, j'y ai plus accès. Ok, donc il doit manquer un truc là parce que là t'achètes un truc et tu peux le perdre en une seconde juste en faisant ça, c'est violent quoi. Bon bah... Bon, je m'en fous un petit peu mais... D'accord, donc les missions c'est toujours des trucs comme ça. Deux bonhommes c'est un peu chiant, on va essayer de faire le tour plutôt. J'ai pu prendre le truc qui fait que je suis censé récupérer plus de fric. On va voir si je peux le stun lui. La réponse est oui. Est-ce que la caméra le remarque? Non, j'ai l'impression qu'il est un peu trop loin aussi. C'est une bonne nouvelle. Alors là, par contre, c'est un peu chaud, il y en a deux. Je pense qu'il y a moyen, là, j'attends un peu. Hein? Nice. Hyper adrénaline.
grosse grenade que je vais utiliser un moment, à mon avis. Chut. C'est ce que je voulais faire. Bon bah, c'est fait. Peut-être en sortant en rentrant dans le dialogue, c'est violent. Ouais, bah effectivement, hein, là c'est... Peut-être... Après le jeu en Early Access, donc... Je m'en offusque pas trop, mais ouais, t'imagines, t'achètes un flingue là à 2000, 3000 ou 5000 que t'as upgradé et tout, puis tu changes juste pour tester et pouf, tu l'as pu. C'est violent, ouais. Hein ? Moi j'aime bien les mandales, ça me plaît ça. Ça me plaît, surtout que ça permet d'économiser des munitions. Ça, c'est un truc que je vais vite upgrader parce que... Ce qui risque d'embêtant, c'est si je peux pas le faire sur tous les ennemis. Je ne suis pas là, c'est pas moi. Merde. Ah, il a encore rien remarqué, ça va. Merde, c'est passé. Ah bah non, c'est niveau 2. C'est niveau 2 pour les drones. Il y a plein de gadgets, mais j'ai plus assez de slots. Ça, c'est une tourelle. C'était une très mauvaise idée. Très mauvaise idée ce que j'ai fait là. Ok. Donc là je peux pas passer, c'est à peu près clair. Ok, on va se calmer. Là faut sprinter, ok. Putain, je suis où là? Ah ouais d'accord. Ok. Ok, il reste ici. Dame. Ah mais j'ai... Ok, j'ai tout fait. Ok. Oh putain, la porte était fermée. C'est ballot. Ok. Bon, mais ça se passe quand même pas trop mal. Est-ce que je peux sauvegarder en cours? Non, je peux pas sauvegarder en cours. Mais là, ça va. Oh ouais. En tout cas, je regrette pas du tout d'avoir pris ça. Bim. Très très bon choix, je dirais. A priori. Salut. Et salut. Alors, bah, c'est ton flingue. Alors, si. Et ça me donne combien maintenant? 200. Ça donnait 150 avant. Donc effectivement c'est une... Je devrais être pas trop mal là, c'est 30% en plus. 33%. Putain, ces portes là... Je suis pas fan. Donc ici c'est pas une bonne idée puisqu'il y a le drone. Là, ma vie, c'est mort. Tant que je peux pas hacker les drones à distance ou... Ok.
Ok. Pif, pif, pif. Là, il y a un truc de mission. Fort bien. De péter cette tourelle. Mais, calme-toi, je te jure. Voilà, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est permanent? J'espère que c'est permanent parce que... Alors lui, j'ai juste rien compris quoi. Hein? Hein? Ça j'aime ça. Voilà, c'est bon ça. Puis j'ai l'impression que ma vie remonte aussi, donc pas trop à m'embêter. Voilà, c'était ça qui m'avait tué la dernière fois. Donc là c'est juste, est-ce que je prends des grenades, je prends des munitions. Je prends... Je crois le truc pour l'entier... Ah, les munitions c'est cool parce que... Comme ça je peux avoir plus de... Mon Epion Injector qui est un peu classe quand même. Bon bah ça se passe bien en fait cette histoire. On va ranger son flingue histoire de... Hein? Donc le coup de poing c'est cool. Faut la version au-dessus pour pouvoir péter tous les gardes. Parce que je veux pas être embêté si on peut faire un garde un peu plus costaud. Puis pour hacker les tourelles et les caméras là. 5000. C'était 4000 je crois, 3000. Parce que là pour les trucs humanoïdes, j'ai mon gun. Data Jack 2, ça sert à quoi ça? Attends, Data Jack 1. Hack camera from the distance. C'est vrai que j'ai pas testé ça. Je sais pas comment ça marche. Je regarde. Turn security align to a trap. Tout ça là c'est pas mal. Les tourelles. Les tourelles. Ah ça, ça a pas été traduit ça. Voir la vie des ennemis, ok plus tard. Ah. Ça je sais pas encore pour l'instant. Bon les trucs temporaires, on s'en fout. Smart Link. J'ai pas ça pour l'instant. Cyber Eye, c'est quoi pour récupérer du. Du fric quand je fais des kills. Putain, ça a l'air intéressant ça. Enfin, après. Pareil, ça, tous les trucs de vie, de machin, c'est pour plus tard. Speed reloading, ça on s'en fiche pour l'instant. Combat quoi. Et les drones. Être plus précis, courir sans faire de son, j'ai pas besoin pour l'instant, aller plus vite, ça ira. Le cyber eye, c'est pas mal mais... On va prendre du hack. Et puis ça sera bon pour l'instant. On va jeter un œil vite fait au flingue, voir s'il y a quelque chose qui s'est changé. Je fais encore peut-être une mission et puis, on va arrêter là. Je pense qu'on a, vu un petit peu l'histoire du truc. Moi je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup la direction artistique en tout cas. Après c'est...
Ouais, voilà, donc j'ai même plus le silencieux que j'avais acheté la dernière fois. C'est ballot. C'est ballot, ouais. Ouais, là j'ai ton inventaire par contre. En tout cas pour les armes, je pense qu'elle a à faire. Parce que toute la partie augmentation cybernétique, j'ai pas l'impression qu'il y ait de limitation. C'est-à-dire que tu prends un truc, enfin tout peut se stacker, tu peux tout cumuler. J'ai pas l'impression qu'il y ait de pénalité sur le fait d'équiper des trucs ou pas. Et les flingues, abus, blast people. Ouais, non. Je devrais avoir ici la liste de tous les flingues que j'ai achetées. Puis avec les. Remarque, techniquement, je l'ai pas acheté le flingue. C'était un flingue que j'avais pris et augmenté, mais malgré tout, quoi. Bah. J'imagine que ça, c'est un truc qui va monter pour la suite. Mais pour du early access, c'est pas si mal, quoi. Pour l'instant. Déjà, les bases sont là. Elles sont plutôt pas mal. Ouh, ça va être. Ah, ça va être un garde un peu plus costaud là. Hmm? Mais moi aussi je suis costaud. Bim. Donc les deux là c'est fait. Donc je sais pas si c'est des gros gardes ou des gardes standards, mais de toute façon moi avec mes points maintenant je peux les dégommer. Est-ce que je peux. Comment je hack à distance ? Range hacking, body address avec Q. Oh. Ok, ça m'a coûté un truc d'énergie. D'accord, donc ça, cette icône-là, ça veut dire qu'on est copains. Donc faut que je vois maintenant ce qui me permet de recharger cette jauge. D'accord. Ah oui, le truc c'est que sans ce hack, enfin tu peux le hacker j'imagine au corps à corps, tu peux juste pas récupérer ce machin. Berserk, on fiche. J'aime vraiment passer ces trucs de boutons pour les. Tourelle, je peux pas. Hein. Non, donc la tourelle on va zapper pour l'instant. Ouais, les drones c'est pas bon normalement. Je pensais que c'était bon hein. Ouais, faudrait que je vérifie. Y'a pas beaucoup de fric en tout cas ici pour l'instant. Ouais, du coup, j'ai une grenade de MP. Ça va être très bien si je veux péter la tourelle. Hein? Hein? Hmm? Ça c'est très bien. Ouais, la grenade MP pour ça par exemple. Ouf. Quoique, techniquement, je pense pas que j'en ai besoin. Hein? Coucou. Donc on a une caméra ici. J'ai pas besoin de la hacker, hein. C'est pas très compliqué ici. Bah une affaire rondement menée, j'ai l'impression. Du coup, je vais voir ce qu'il y a dehors. Ah, c'est si je veux passer par là. Ok, bon bah ça c'était. Il y avait à peu près rien à hacker par contre. Mission courte là.
6000. Ok. Là, je vais pouvoir m'acheter l'upgrade de... c'était quoi que je voulais? Le truc, l'œil. Bon, en théorie, je devrais récupérer du fric quand je tabasse des bonhommes. Vu que je tabasse beaucoup de bonhommes, ça devrait être pas mal. Voilà, Cyber Eye. Bim. Et puis je peux avoir le Data Jack 3, histoire de hacker des tourelles. Pas mal. Le prochain truc, ça va être genre 15 000 pour le... les grognons là. Mais techniquement, enfin techniquement, j'en ai pas besoin. Si j'ai assez d'énergie, je peux les hacker. L'intérêt, c'est que les coups de poing, ça me coûte rien. Oh, ça me donne du fric là. Plus 100. Ok. Ah bah, tu m'étonnes que je vais me gêner. Hein. Donc les gardes, ça les stun, par contre les... les civils, ça les explose. Hein. La musique, elle fait un peu Sonic, là, je trouve. Hein. J'espère que ceux qui marchent pas, ils parlent. DLC. Ça sent un peu le cheat d'ailleurs de pouvoir abuser là. Et... c'est marrant qu'il y a pas de flic qui vient de m'emmerder ou quoi. Bah dis donc, ouais. Pas une rue dangereuse, non? Ok. Allez où? Ouais, les upgrades, ça a l'air plus intéressant que les armes, puisque les upgrades, tu les gardes tout le temps sur toi. Ok. Quoi, guerre des gangs? Ça a l'air un petit peu plus grande. Bim, 100 pour lui. 100 pour elle. 200 par ici. On est bien là. Je stream mon fight là. Bon alors là par contre ça va être plus compliqué. Huh?
lirai en protocole. Ils ont dû lire en protocole, les bonhommes. Fin de merde. Bah. C'est gratuit. Oula, je me ferai une balle, ça a piqué. Non, 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 tu me rends mon flingue tout bien, là. Ah, mais donc, il y a plein d'ordi ici. C'est vrai que techniquement, ces trucs-là, je peux même les hacker à travers les murs. Quand même beaucoup plus facile une fois qu'on commence à être un peu stuffé. Hein. Ce qui est chouette. C'est un peu l'intérêt de d'avoir une progression. Ok, donc maintenant le reste c'est sur la droite. Se faire chier, hein. De toute façon ma vie elle remonte après. Un opaque. On a pas besoin. C'est quoi ça là? HPS projecteur. Qu'est-ce que c'est? Ah, le fric ça va. J'ai time crisis sûrement. Ouais, c'est possible, les gars ils étaient concentrés. Hein. Ok, il me reste plus que celui-là. 1, 2... Ah, ça c'est un robot, ça. C'est un robot, donc je peux pas... Ah, peut-être avec ça. Static mine. Merde. Je sais juste pas si ça va marcher mon histoire ou... Yes. Ça marche. Oh. C'est mieux. Bon bah cool alors. Et voilà. Du coup je m'en suis bien sorti. Et cette mine j'en ai pas besoin. Mais des munitions, il y en a partout, donc on va dire que deux trucs de munitions, ça suffit. Du fric. Du fric. Ça les spectateurs sur Twitch. À mon avis, c'est un peu pété cette histoire. Parce que même si tu peux le faire, le truc c'est que vu que c'est gratuit avec le... Avec le point là... C'est un peu nimp.
peut-être une interaction qui n'était pas prévue. Je ne sais pas. Bah, en tout cas, c'est cool. Pour moi. Une affaire rondement menée. On va récupérer le fric, on va faire des upgrades. 12 000, ouais d'accord, il fait de plus en plus. Donc effectivement là, on peut commencer à envisager même des gros flingues. Je vais regarder les flingues, même si je m'en sers pas trop. Là, ce qui est intéressant avec le flingue de poison, là, ou je sais pas quoi, c'est que tu fais que je touche une fois et c'est fini, quoi. J'ai juste à me barrer un peu. Et... ça marche juste pas sur les robots. Si je suis assez près, je peux leur donner des coups de poing. Sinon, c'est bien d'avoir un autre flingue. Donc là, j'ai quoi? J'ai le Mitsumi Zap Gun. Zapgun, ça, un flingue à 8000, c'est pas mal, non? First Laser Rifle. Ouais. Shotgun. Ouais, il est pas très précis. Ouais, on va pas se plaindre, il était gratuit. Si je vais l'upgrader, je peux mettre quoi dessus? Trinketed, light, condensed, photon. Silencieux. J'ai quoi? Open sight. Smart gun, ça c'est le truc pour pour se loquer avec le smart gun. Eh, vous prendrez peut-être ça plus tard. C'est moins cool pour toutes ces familles brisées. Je ne vois pas de quoi tu parles. Perds la tête. Oh non, ils avaient pas de famille ces gens-là. À marcher nonchalamment dans la rue là. S'ils avaient une famille, hein, ils seraient en train de s'en occuper. Alors, voir la vie des ennemis. Je m'en fiche, je les pète en un coup. Le truc temporaire, alors clairement pas quoi. Smart Link. Manuel speed. You need to weapon a smart gun for full effect. Accuracy reloading speed. Aiming scanner. Ça me montre les points d'intérêt. Ça peut être intéressant ça. Être invisible, j'ai pas besoin pour l'instant. Speed of reloading. Je m'en fiche. Adrénaline, je m'en fiche. Reducing recoil, aller plus vite. Courir sans faire de bruit. Courir sans faire de bruit, ça peut être bien, mais j'ai pas besoin de trop courir en général. Ah oui, il perd la tête. Allez, on va. Ah, pour courir, il faut des muscles synthétiques. Plus résistant et puis porter un truc en plus. Allez, ah, si j'ai 500 je peux me prendre une cellule de plus.
Y'a pas un ou deux clodos qui se baladent dans la rue là? Non? Incroyable. À croire que ces cadavres par terre, ça dissuade les gens de se balader. Allez, voilà, ça, je vais la dernière. Viens le mettre, qui me blablabla. Ouais. Vas-y, on fait des trucs. Donc ouais, je pense qu'il y a juste l'écran d'inventaire qui est un peu pété là. C'est un peu dommage, mais sinon... Bon, ça sera fixé, je pense. On va déplacer des coca, ça. Attention! La belle gauche. Ah ah, un coup dans la tête, c'est... Par derrière, c'est la tête qui saute. Vérifions. Ah, pas à tous les coups. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu veux un coup de main? Putain, les mandales. Le coup de la corde à linge, ça marche toujours. Moi, ce que j'aime, c'est que les forces de l'ordre sont hyper réactives. Ça donne envie de vivre dans cette ville. Le plus important, c'est que les types sur Twitch mettent des likes. C'est tout? Incroyable. Tu dégommes 16 civils et puis les gens ils viennent plus se balader dans la rue. Hein? Ouais? C'est quoi ça? D'accord. Mais il aurait pas une épée, lui. Vas-y, moi je veux l'épée là. Pick-up sword. Après, est-ce que j'ai besoin d'une épée alors que je peux donner des super mandales? Ouais. Taïo! J'ai pris cher là. J'ai pris un peu cher. Au secours! Ok. Le PC est rigolo, mais... Ouais, limité à deux armes, c'est difficile, là. Bah, je comprends l'idée, hein. Tu peux avoir un shotgun, un fusil d'assaut, ou un shotgun, un sniper, ou un SMG machin, mais... Tu as des armes de mêlée. Mais pourquoi tu cours? C'est dangereux. Faut pas courir. Qu'est-ce que j'ai dit? Cours pas. C'est bon, on est calmé. Attention à la balle gauche. C'était dur ça. Tiens. Ah la vache.
pas vu lui. C'est dangereux de passer par là. On va essayer de passer par ailleurs. Hein? Hein? C'est rien. Ce n'est que moi. Ah mais je peux pas passer par... Ah peut-être là. J'ai envie de hacker ce machin là. Je comprends pas moi. Il semblait que j'avais pris le hack. Faut que je sois à côté quoi. Ok. C'est parce que c'est plus difficile hein, cette histoire. C'est ballot ça, hein. Ah, crotte. Ok, j'ai la bonne idée, je pense. On va faire ça. Salut. J'ai pas trop envie d'attendre. Hein? Hein? Bon, hacker cette tourelle, meilleure idée. Shit. Je me suis trompé de touche. Bon, si on va le faire après. Qu'est-ce qu'il s'est passé? What? Ah, j'ai hacké ce machin. C'était donc devenu un piège. Pas de chance. Ah, c'est ballot ça. Putain, y'a trop de merde par terre là. Et puis un injecteur, le voilà. Des munitions, j'en ai pas besoin. Un truc de hack, en voilà un. Ok. Je comprends pas comment ça marche le hack. Hein? Ah, je peux plus parce que j'ai plus d'énergie. Ah, ça a dû me bouffer beaucoup d'énergie en fait.
Bon, ça devient compliqué cette histoire. Si, ça m'a quand même coûté un d'énergie, cette merde. Merde. Compliqué tout ça. Et donc ça me coûtait combien de le hacker ? Okay, faut que j'attaque comme à distance. Ça me coûte 3. D'accord, en fait ça m'a tout coûté. Ok. Donc, il me faut effectivement un moyen de recharger mon énergie, sinon je suis un peu embêté. Donc ça c'était une mine qui ralentit. Pas forcément le plus intéressant mais... Mais soit. Salut. Grenade, pourquoi pas. Allez. Qui on a par ici? Deux bonhommes de dos. C'est pas de chance. Ok, on va se soigner en passant. Merci, c'est cadeau. Grenade EMP, on va prendre la grenade EMP. Hop 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 hop, qu'est-ce que j'ai droppé là? Voilà. Grenade EMP, c'est 4. C'est par là plutôt. Y'a pas d'ailleurs une autre grenade, une merde comme ça? Bah, je verrai après. Ça c'est un drone. C'est par ce côté là. Hein? Ok, ça marche. J'avais pas vu que c'était un bonhomme au corps à corps. Ok, bon, une dernière. Et puis sinon on va arrêter parce que... Il y a un moment, faut savoir s'arrêter. C'est que les gars à côté ils ont absolument rien entendu. Le mec un peu sourd, dur de la feuille. Et y'a pas de soucis. Okay, c'est quand même c'est ballot, hein.
Alors j'espère juste qu'il n'y a pas de renfort externe qui arrive. Fuck si. Ah, si je le vois pas à l'écran, ça me donne pas de fric. Donc ça. Ah bah tiens, on va échanger. Voilà. Ah bah c'était carnage ici. Il y a que du lyrien protocole. Il y avait pas un robot qui traînait. Crotte. Bon, par contre, je crois que j'ai dégommé à peu près tout le monde, là. Je pense. C'était pas le plus propre, mais... Bah. C'est efficace. Bah, y a plus d'alarme. De toute façon, on a tué tout le monde. Et voilà. Une alarme? Non, je ne vois pas. Je peux la ramasser à nouveau, la mine? Oui, c'est très bien. Ah, je suis un peu triste quand même pour l'épée, j'en aurais bien ramassé une. Mais bon. Histoire d'être tranquille au cas où. Il doit me rester un bonhomme en bas, je crois. Dégommer plus les civils pour le principe. Ah bah même pas lui, il est forcément, il est venu avec tout le monde. Allez. Bah vous attendez là. C'est des façons de faire. C'est pareil là. Est-ce bien sérieux? Bon. Voilà, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que... Ah, c'est pas ma voiture ça. Yahoo! Il va me donner, il m'a donné 12 millions, combien là? 16? 18? 20? Il paye bien en tout cas le bonhomme. 20. Putain, je peux être le full cyborg à ce tarif. Hein. T'as combien là? 28? J'ai l'impression que c'est les mêmes bananes en plus à chaque fois. Globalement.
Les gars, ils se rafistolent. Et puis ils reviennent. 2 heures après, genre c'est bon, le cinglé il va pas revenir. Peut-être bien que si. Oui, avec sa robe. Alors, tout ça s'est installé. L'énergie, c'est quand même bien. Faut que je regarde du coup cette histoire. Par contre, le moyen de récupérer de l'énergie, oui, bon, on va prendre ça, c'est pas cher. De l'armure, power cell, l'équipement. Ah bah j'ai les deux bras maintenant. Avec le stabilizer. On va mettre un petit silencieux juste sur le fusil histoire de faire un peu moins de bruit si j'ai besoin de dégommer des trucs. Là, je suis au taquet. On va prendre le smart gun. Voilà. Ok. Je pense qu'on va arrêter là. Je sais pas combien il y a de missions pour l'instant. New quest, dialogue, weapon upgrade, abilities, levels. Ouais. Voilà, donc l'ambiance est chouette. Niveau gameplay, il y a encore des petites choses à raffiner. Il y a des trucs d'IA qui sont pas encore au point, mais la base est là quoi. C'est plutôt sympa à jouer. Voilà, donc on va arrêter là. Merci et à bientôt.